Les formes orales extrudées sont des formes galéniques importantes en santé animale parce que particulièrement appétantes pour les animaux de compagnie. Très complexes à produire, ces formes sont encore rares en médecine vétérinaire. Virbac a été confronté à cette complexité dans le cadre du transfert industriel du produit acquis début 2015 auprès d'Elanco, pour lequel la FTC, l'Agence américaine de contrôle des pratiques commerciales, impose que l'acquéreur maîtrise la production en toute autonomie. La fabrication de ce produit, un antiparasitaire pour chiens indiqué dans la prévention de la dirofilariose et le traitement des parasites intestinaux, était initialement réalisé à Porto Rico. Courant 2015, Virbac a pris la décision de réaliser le transfert industriel depuis Porto Rico vers son site américain de Saint-Louis, transfert effectif fin 2017. Ce transfert était particulièrement technique du fait de la complexité du procédé industriel d'extrusion. C'est un processus continu qui nécessite une vigilance toute particulière tout au long de la fabrication pour obtenir un produit conforme et reproductible en dosage. Malgré les délais de transfert courts imposés par la FTC, Virbac a tenu ses engagements, notamment parce que nous maîtrisions déjà ce procédé à la fois sur le site de Saint-Louis pour un produit en cours de développement, mais aussi sur d'autres sites industriels Virbac. Ce transfert industriel est l'aboutissement d'un projet de près de 3 ans qui a nécessité plusieurs étapes. La construction d'un atelier dédié au sein de l'usine de Saint-Louis afin d'accueillir tous les équipements nécessaires à la fabrication du produit, l'acquisition du savoir-faire industriel grâce à de nombreuses visites sur le site de Porto Rico, la qualification et la validation des équipements industriels suivant les exigences de la FDA, enfin l'acquisition de toutes les techniques analytiques permettant de contrôler les matières premières et le produit fini. Tout au long du processus de transfert, les équipes production et qualité groupe et locale ont collaboré étroitement. Dans le cadre de ce projet de transfert industriel, j'ai passé un an aux États-Unis comme représentant des équipes opérations industrielles et qualité corporate, en soutien aux équipes de Saint-Louis lors des principales phases du projet, à savoir la construction et la qualification du nouvel atelier de production, la prise en main de la technologie d'extrusion et enfin la fabrication des lots d'enregistrement. J'ai vécu une expérience très enrichissante, liée à la fois à la complexité technique du projet et à la collaboration avec les équipes locales. La procédure de changement de site a été établie avec la FDA via une procédure allégée, car nous avons choisi d'être comparables avec le site de Porto Rico. Même taille de lot, même technique analytique, même procédé, même machine. Aujourd'hui, nous avons obtenu de la FDA la confirmation du changement de site. Nous sommes donc en capacité de produire en maîtrise un produit équivalent à celui fabriqué à Porto Rico. Le tout encadré par un système qualité efficace. Avec ce transfert industriel, Virbac confirme son expertise technique dans la fabrication des extrudés, une forme galénique d'avenir pour la santé animale.